Bonjour et bienvenue au cancer et à tous ceux qui passent par là. Merci donc de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies du mois de mai 2019 pour les cancers. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. On va voir ce que ça donne pour vous les cancers pour ce mois de mai 2019. Alors. On va utiliser beaucoup de jeux, donc voilà. Je vais utiliser le petit Lenormand pour faire un petit tirage, enfin, pour un tirage de 13 cartes. Ensuite, je vais utiliser mon oracle de Sceaux pour une carte supplémentaire à ces tirages. Ensuite, on va faire avec mon oracle de Sceaux à moi, personnel et l'oracle de 77 de Katia, on va prendre une carte de chaque pour faire une coupe, pour voilà. Ensuite, nous allons prendre les cartes de l'affirmation pour lire ce que ça nous dit. On va prendre une de coaching de l'âme. On va prendre l'oracle, c'est pas vrai, hein. Les anges de l'amour, pardon, de Doreen Virtue. Ensuite, un message du paradis. Et ensuite, une couleur, la couleur du mois. Et pour un peu changer, et comme je n'ai pas encore vu chez personne d'ailleurs, on va un petit peu choisir le chiffre du mois. On va choisir le chiffre du mois, d'accord? Avec la triade. Alors, on va commencer. Et puis, on va faire aussi une question avec le livre des oracles. Tous ces articles sont, enfin, tous ceux que j'ai pu, sont en barre d'infos pour vous les procurer éventuellement, si vous le désirez. Sauf celui-ci, parce qu'il n'est plus, il n'est plus en vente. J'ai eu la chance, avec cet oracle-ci, j'ai eu le petit oracle, et ce sont des petits Lenormand, j'ai eu deux carte comme ça aussi, et les runes qui vont avec ça. Je suis vraiment contente, j'ai eu des cartes de runes, c'était pas mal. J'ai pu eu la chance de trouver ça. Maintenant, pour moi c'était la dernière, parce que j'ai déjà fouillé pour en trouver, mais j'aime beaucoup ce jeu. Alors, on y va pour les cancers pour le mois de mai 2019. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles vont être les énergies pour ce mois de mai 2019 pour les cancers? Alors, on a le travail. Pour certains, il y aura de l'amour au travail. On va rencontrer l'amour au travail. C'est aussi un amour que l'on aime. Un travail que l'on aime. On travaille avec son amoureux. On est amoureux d'un collègue. Un collègue est amoureux de nous. Ou de vous, enfin, de cancer. Attention aussi, par rapport à un amour au travail, ça pourrait être une personne qui en voudrait justement, qui va essayer de vous piquer. Ben, j'ai pas dit, c'est pas une tromperie. Mais par rapport à l'amour ici, ça me parle quand même de ruse, de vol, de fausseté, de voilà. Donc à voir. Et en plus, cette carte-là, c'est la carte des collègues pour moi, donc. Donc voilà. Maintenant, ça peut vous parler autrement, hein, mais. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais couper. On a la tour. Et l'enfant. Alors, la tour et l'enfant, ça va nous parler de. Bah, déjà de maternité, encore. De maternité, de grossesse, oui, de maternité, d'un endroit où il y a des petits enfants, donc d'une personne naïve, d'une pédiatrie,
ou alors un bâtiment où, donc, où il y a des enfants, ça peut être aussi un bâtiment. Je sais pas pourquoi ça me vient, ça. Un bâtiment qui accueillerait des personnes avec un handicap léger, pas mental, un handicap physique. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Un endroit où on pourrait accueillir des personnes handicapées, mais oui, physique, mais même mental, parce que le quart de l'enfant représente la naïveté aussi. Donc, une personne naïve, une personne de petite taille. Donc, quelqu'un qui aurait un problème de santé, et ça me parle d'un établissement. Donc, c'est peut-être aller, peut-être faire un test pour se soigner, faire un séjour pour son bien. Voilà, ça me parlera de ça. Sinon, ça peut me parler aussi de colonne vertébrale avec la tour. Alors, ça pourrait me parler aussi d'un enfant renfermé. Alors, ça peut être au sens propre comme au sens figuré. Donc, on pourrait essayer un enfant qui est renfermé, un enfant dont on ne s'occupe pas, un enfant qui ne sort jamais, un enfant que les parents, voilà, un enfant martyr. Mais ça pourrait aussi nous parler d'un enfant qui n'évolue pas, d'un enfant qui est dans sa bulle, d'un enfant qui refuse le contact avec les autres, en tout cas quelqu'un qui ne s'épanouit pas. Ça peut être aussi ça pourrait être autre aussi un adulte qui régresse, on retombe en enfance. Ou alors il s'est passé un truc et on ne veut plus grandir, on veut rester comme on est. En même temps, cette carte-là, c'est la carte d'une période de joie aussi, quand on parle du temps. Celle-ci, c'est le temps qui s'arrête. C'est aussi la prison, hein. Donc avoir une prison, un enfant en prison, le début d'une peine. Ça pourrait être aussi quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui cache sa grossesse, quelqu'un qui cache un bébé. Ça me parle aussi d'une personne qui pourrait être en début de grossesse et qui soit un peu naïve. Saura-t-elle cette personne s'occuper de cet enfant? Alors, on va prendre 13 cartes. Alors, une, deux. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, on va compter pour être sûr que ce soit juste. Je pense que oui. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc les autres, je les reprends. Je n'en aurai en principe plus besoin, sauf vraiment si je dois recouvrir une carte. On les met là. Et alors, on y va. Alors, on va commencer avec celle du... celle du milieu, donc ici. Normalement, c'est une roue hein, qu'on fait. Enfin, c'est un rond, d'accord, mais bon. Une carte. Nous allons commencer par le consultant. Donc, Monsieur Cancer. D'accord? Monsieur Cancer. Le mari de Madame Cancer. Ça va nous parler donc du consultant. Ça va nous parler aussi des organes génitaux masculins. Ça peut nous parler aussi... des pieds, des genoux, des pieds, des genoux du consultant. Ah, le consultant va avoir un choix à faire. Donc le monsieur va avoir un choix à faire ici. Il est peut-être dans une période d'ambiguïté, il se pose des questions.
ça parle évidemment de la décision, d'un choix à faire, on va voir. Une personne qui pourrait revenir du passé. Une personne qui pourrait revenir du passé, ce serait une dame, une meilleure amie, une maîtresse, une ex-maîtresse, quelqu'un qui revient. Ou alors vous allez recevoir des nouvelles du passé, des nouvelles de quelque chose. C'est aussi... aussi une carte de la meilleure amie. Hein. C'est aussi la carte qui nous dit qu'on va avoir du plaisir en société. En tout cas, ça va être une visite. À mon avis, vous allez avoir une visite ce mois-ci de quelqu'un qui vient de loin, du passé. On peut venir de loin. Ah, peut-être qu'on vient vous annoncer une rupture, on va vous annoncer quelque chose qui se termine. Une blessure, une opération. Cette personne que vous connaissez... attendez, on va voir. Oh. On a madame. Donc le couple est dans le jeu. Hein. Le couple est dans le jeu. On va voir. Hein. Du coup. Ah non, ça va. On a le trèfle. Donc je voulais dire peut-être pour certains qu'il va y avoir... Vous allez avoir des nouvelles... d'une rupture, d'une séparation, d'une opération par rapport à madame, donc pour chucher les cancers ici, une opération par rapport à madame, une blessure peut-être, ou alors une rupture. Mais je pense que si rupture il y a, ce sera quelque chose qui va vous porter chance. Coup de chance aussi. Un coup de chance pour la madame. Et je crois bien qu'il va y avoir plutôt... Enfin, on va voir le reste, mais ici, ça va nous parler de... Alors, évidemment, si c'est... Cette carte, elle pourrait nous parler d'une personne, d'une troisième personne dans le couple. Sinon, ça va nous parler de contrat d'association, ça peut nous parler d'un mariage aussi. D'un mariage, on se paxe, on se marie, on se fiance, on s'associe. On s'associe. Donc peut-être que madame va rompre avec quelque chose ou quelqu'un pour ne faire que... une association avec vous, que ce soit une association amoureuse ou voilà ou de travail. On va voir peut-être un peu plus loin. Alors ici, ça va nous, c'est le jardin, donc ça va nous parler de renommée. Ça va nous parler de notre entourage proche, pas familier. Les proches, enfin, les familiers, oui, mais pas ceux qui font partie de la famille. Les proches, les clients, les patients, les collègues, un cercle d'amis, ceux qui font partie d'un même club de foot, de sport, les abonnés, voilà, donc c'est tout ce qui est, voilà. Ça nous parle aussi que de repos, de bonne santé, donc, on a la lune, donc ici c'est... La lame des voyants aussi, donc c'est aussi la carte de limite avec le jardin. J'ai envie de dire que le jardin, c'est le but atteint, c'est l'épanouissement, la réussite, la renommée. Et puis avec la lame des voyants, donc avec la lune, pardon, non, ça peut parler d'autre chose, mais moi ici, j'ai envie de le prendre comme des honneurs, quelque chose qui va être mis à l'honneur. Bon, sinon, ça peut parler aussi de quelqu'un de lunatique, de fragile. Ça peut aussi nous parler de maladies dépressives, etc., mélancolie, d'accord? Alors, hein, ici, il y a le mont. Le mont, ça va être un blocage. Ça va être... ou ça va être un appui, peut-être. On va voir. On a les oiseaux. Les oiseaux, on va parler des paroles, au dialogue.
Kafla qui veut quelque chose, qui veut dire quelque chose. Il m'en reste combien? Oh, je crois que ça parle vraiment d'amour ici. Hein. Donc, ça parle d'amour, donc le cœur, c'est la carte aussi de la tête, du visage, de la peau, mais aussi du cœur, de la circulation sanguine. Ah, et on a la maison. Écoutez, moi, je pense quand même que c'est un très beau tirage parce que ça parlera vraiment de foyer. Donc, je pense qu'il va y avoir construction, reconstruction, un nouveau foyer, quelque chose qui va commencer. Ou alors, il y a 20 ans que vous êtes ensemble et vous allez vous marier. Vous allez fêter vos noces de diamant. Vous allez fêter quelque chose. Mais il y a une rupture, hein, mais... Je pense qu'il pourrait y avoir une rupture avec une maîtresse ou avec une meilleure amie. Parce que vous allez vous rendre compte que peut-être votre meilleure amie, ben, elle essayait de vous piquer votre mari. Tromperie, pour moi, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu tromperie parce que vous vous en êtes rendu compte à temps. Ou parce que monsieur n'avait pas envie. Mais c'était plutôt vis-à-vis de monsieur. C'est une dame qui était là vis-à-vis de monsieur. Mais ça va être fini. Enfin, ça va être fini. Il y a rien, peut-être que rien n'a commencé. Mais en tout cas, il va y avoir rupture avec cette fille. D'une manière ou d'une autre. C'est quelqu'un qui peut-être allait chez vous, déjà, dans votre maison. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez. C'est peut-être même votre meilleure amie. Donc, soyez vigilants, les cancers, par rapport à votre entourage, surtout à vos amis. Alors, il est possible aussi que parfois, par jalousie, une amie de madame aille dire des choses au mari fausses. Hein. Mais bon, je n'ai pas quand même le serpent. Peut-être que ce n'est qu'une attirance ou peut-être pas du tout. Hein. C'est peut-être pas du tout ça. C'est peut-être tout simplement, on a le cavalier, c'est peut-être tout simplement quelqu'un qui va revenir du passé. C'est peut-être aussi tout simplement quelqu'un qui... quelqu'un qui vient vous dire quelque chose, qui va vous apporter quelque chose. Mais en tout cas, ce sera un porteur de bonnes nouvelles, puisqu'on a, on a le trèfle. De bonnes nouvelles. Pour moi, ce sera des bonnes nouvelles de cœur. Ou alors, pour certains, il y aura un divorce qui va vous permettre de vous mettre en couple ou de vous marier ou de faire votre vie avec la personne que vous aimez. Parce que cette personne va être libre. C'est pas qu'elle ne l'était pas, c'est qu'elle ne l'était pas encore. Donc, il y avait un blocage. Et du coup, ce blocage, c'était son mariage qui va être fini. D'accord ? Qui va être rompu. Et qui va vous donner tout le loisir alors de vous marier, de vous mettre ensemble. Vous allez peut-être faire une petite fête pour ça. Oui. Donc voilà, ça me parle plutôt de ça. Alors, je vais quand même regarder si je ne vois pas par rapport aux finances, par rapport à l'argent. Franchement, ici, ça ne parle pas trop. Et même par rapport au travail, j'ai pas spécialement de carte de travail. Si ce n'est peut-être que la fin d'une association. La fin d'une association parce qu'il y avait un blocage, parce qu'il y avait peut-être aussi un certain découragement par rapport à une association de travail, peut-être. Mais là, je cherche vraiment, je fouille là, parce que... Si vous voulez vous lancer dans la voyance, dans l'occulte, moi je pense que vous avez beaucoup de chance. Donc faites-le. Si vraiment c'est votre truc, si vous sentez que c'est de votre truc, si vous sentez que c'est ça vient du cœur, vraiment, l'occulte, la chance, il faut le cœur, c'est un choix que vous ferez avec l'accord de votre mari ou de votre femme, parce que madame est là, mais monsieur est au-dessus de ces cartes-là. Donc, ou c'est madame qui va faire le choix de... Ou alors, on va quitter son travail pour se mettre à son compte dans ceci. Pourquoi pas. Donc, voilà.
déjà pour ce tirage. Je trouve que c'est vraiment un très très beau tirage aussi, encore comme les autres que j'ai fait jusque maintenant, j'en ai pas fait gros changement, c'est mon troisième seulement. Donc voilà, je suis très contente jusque-là des tirages. Alors on va quand même prendre une petite carte de l'oracle de Sceaux, celui-ci, pour voir. Maintenant on va mettre son grain de sel. Hein. On va prendre celle qui est sautée. Et c'est le poisson. Est-ce que j'arrive à la prendre? Voilà. La carte du poisson. La carte du poisson, évidemment, ça va nous parler alors de commerce. Du coup, ça va nous parler de commerce. Ça peut être de commerce virtuel. Ça va nous parler aussi d'un bar, d'un café, d'un débit de boisson, de là où il y a de l'alcool. Ça va nous parler aussi... d'un établissement donc où on verse des boissons. Ça va nous parler de... Pourquoi je dis une piscine? Pourquoi? Un endroit où il y a de l'eau. Une piscine, la mer. Par contre, par rapport au cœur, par rapport à l'amour, c'est une relation équilibrée, une bonne entente, une bonne communication. On est heureux comme un poisson dans l'eau. On peut être même addict à la personne avec cette carte-là. On peut être addict à la personne. J'ai fait des annotations, mais c'est exprès. Je les ai fait exprès. Ça, c'est mon jeu de... mon prototype. Mais j'aime bien parce que quand je pense à un truc, je le rajoute. Donc, ça nous parlera d'une personne équilibrée, qui est juste, qui est plutôt un chef d'entreprise, qui est quelqu'un qui est indépendant, qui est quelqu'un qui n'aime pas d'être dirigé. C'est quelqu'un qui aime justement diriger, qui mène bien ses affaires, son foyer, qui mène sa barque. C'est le cas de le dire. Donc ça, c'est une très très belle carte aussi. Hein. Ce qui confirme un petit peu ce que l'on a dit. Maintenant, alors si vous êtes seul ou célibataire, ben, c'est pareil. Donc vous allez peut-être qu'il y a une personne qui va se libérer donc, de son couple actuel pour revenir vers vous. Pour venir vers vous. Voilà, c'est peut-être. Voilà, vous ne connaissez pas encore la personne, peut-être. Hein. D'accord, si vous êtes vraiment. Si vous attendez vraiment quelqu'un. Donc, ça c'est une chose. Alors maintenant j'en suis où? Ah oui, on va faire mélanger celui-ci. Donc l'oracle de Sceaux en petite taille. Celle-là, c'est l'escargot, la lenteur, en même temps c'est la protection, on est quand même dans sa coquille, hein. On a sa maison sur le dos, donc je suis partie, allez reviens à toi dis donc. Ça confirme encore l'amour hein, ici. Hein. Donc, on a un couple, et pour moi, il y a un rendez-vous. Donc, quelque chose que vous attendez depuis peut-être un certain temps est en train d'arriver lentement, mais sûrement. Donc, voilà, il va vraiment y avoir ce couple-là qui est en train d'arriver et qui va se former, à mon avis. Hein. Ou alors, vous allez avoir une conversation, une discussion par rapport à votre situation. Mais moi, je pense que c'est plutôt un amour qui va se reformer ou se former. Moi, j'ai envie de dire se reformer. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, il est possible qu'il y ait quelqu'un du passé, oui, parce qu'on a quand même le cavalier qui pourrait revenir et du coup, tout changer dans mon tirage.
Non. Non. Donc, pour certaines personnes, si vous êtes seul, vraiment, il y a une personne du passé qui va revenir, ou alors vous allez rencontrer une personne. C'est quelque chose que vous voulez depuis un certain temps. Mais là, voilà, ce n'était pas encore le moment. Ce n'était pas le bon moment, tout simplement. Donc, là, ça va être le bon moment. Vous allez avoir une rencontre. Il va y avoir une rencontre ou un amour qui va se reformer. D'accord? Alors, les cartes de action. Donc, je fais mon petit pense-bête, hein, évidemment. Action, âme, amour, défunt. Âme, ah oui. Amour, défunt. Le livre des oracles, la triade, la couleur. Et c'est déjà bien, hein, tout ça. Alors, on a ici, pour ce qui est de l'action, pour vous, les cancers. On a le chiffre 1 et on a la force d'accepter. Vous avez la force d'accepter. Accepter de lâcher prise, c'est faire un acte de foi. Relâcher la garde et laisser le mouvement naturel de la vie s'exprimer au lieu de vous tenir en marge, en position d'attaque ou sur la défensive. Ainsi, vous serez davantage maître de votre vie et de vos actions. Donc, je vais vous le relire quand même. Hein. Vous avez la force d'accepter. Accepter de lâcher prise, c'est faire acte de foi. Relâcher la garde et laisser le mouvement naturel de la vie s'exprimer au lieu de vous tenir en marge, en position d'attaque ou sur la défensive. Ainsi, vous serez davantage maître de votre vie et de vos actions. Parce que quand on est toujours en train de sur nos gardes et qu'on fait toujours gaffe à moins que vous soyez évidemment en fuite, comment on dit, en cavale, non, là, soyez sur vos gardes. Mais quelle vie. Mais sinon, essayez de relâcher la garde et de voilà, de ne plus être sur la défensive comme ça. Vous serez beaucoup mieux pour pouvoir avancer. D'accord. Alors, coaching de l'âme. Tous les produits seront, enfin, tout ce que je sais, seront en barre d'infos ici en dessous de la vidéo. Voilà, vous allez voir et vous pourrez avoir les liens. J'ai quand même mis les liens de certains jeux qu'on ne sait pas se procurer là maintenant parce que ils vont peut-être revenir ou au moins vous saurez ce que c'est peut-être pour faire des recherches ailleurs. Vérité. Je vis ma vérité. Voilà. Je vis ma vérité. Alors, pour l'amour. Message pour l'amour. On en a eu beaucoup des messages pour l'amour ici. Hein. Les cancers. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc je pense que vraiment ça va être un mois chaud. Quoi qu'on n'a pas eu la verve, mais je pense qu'il va quand même y avoir des choses très fortes, des forts ressentis. J'ai quand même envie de vous dire, réfléchissez avant de lâcher tout, si jamais quelqu'un revient du passé, surtout une femme qui reviendrait du passé, avant de tout lâcher, de tout laisser tomber, de tout quitter pour elle, réfléchissez quand même. Hein. Parce que ici on ressent une forte attraction magnétique, peut-être pour la personne avec qui l'on est, mais c'est peut-être aussi pour une tierce personne. Donc ça, il faut faire gaffe, il faut bien réfléchir avant, je ne juge pas du tout, mais il faut bien réfléchir avant de ce que l'on a, de ce que l'on va perdre, mais non plus ne pas rester avec la personne pour les finances, parce qu'on n'est pas heureux de toute façon. Voilà.
D'accord. Donc, ceci dit, je ne suis pas là pour donner des conseils, hein. Je vous parle comme ça. Message des défunts. Message du paradis. Donc, peut-être que c'est qu'un de vos défunts. Ne vous attendez pas à ce que ce soit justement cette personne-là qui arrive. Peut-être qu'elle n'est pas disponible. Mais on va voir ce que ce défunt a à vous dire, à vous, personnellement. Ça dure longtemps aussi parce que je fais tous mes tirages, enfin je fais tous mes trucs, j'ai rien à préparer donc. Voilà, nous nous sommes retrouvés en rêve. Peut-être vous l'avez vécu, enfin vous l'avez vécu, mais peut-être que vous ne vous en souvenez plus. Mais en tout cas, vous vous êtes revus en rêve. Alors, la couleur pour vous ce mois-ci. Quelle couleur est-ce que ce sera pour vous? Votre couleur fétiche du mois. Waouh, le pourpre! Stimuler votre clarté mentale. Ah, c'est beau. Elles sont magnifiques ces cartes. Pour, si vous voulez, c'est la carte 28. Mais voilà, ça, c'est, ils ont numéroté les cartes pour avoir plus facile aussi pour les retrouver dans le livret, je suppose. Stimuler votre clarté mentale. Du coup, on va voir le chiffre, votre chiffre pour ce mois. Pour les cancers, pour ce mois de... Celle-là, elle m'est déjà tombée tout à l'heure. La carte du mensonge, la carte numéro 4. Donc si elle retombe encore, c'est qu'elle veut me parler à moi. Voilà. Parce qu'elle est elle tombe quand même, ou elle se retourne pendant que je mélange. Pas spécial, pas pour vous. Il est tout à l'heure encore, donc. Donc voilà, attention au mensonge. Pour moi. Votre chiffre sera le 11, 11 ou 2, d'accord? 1 plus 1, 2. La carte de la tentation, mais ce n'est pas grave, ne tenez pas compte de ça, ou tenez-vous en compte si vous voulez, parce qu'en même temps, la carte du mensonge et la carte de la tentation, les tentations, mais bon, normalement, tu as pas, je n'ai pas tenu compte de cette carte pour les autres tirages, donc c'est juste pour le chiffre. Donc, la carte de la tentation. Mais c'est juste pour le chiffre 11 ou le chiffre 2. La papesse. La papesse ou la justice, chiffre 11. La papesse pour le 2, la justice pour le 11. Tout à l'heure, j'ai eu le char pour les Gémeaux, chariot. Je ne sais plus les chiffres que j'ai dit. Enfin, c'est pour les arcanes majeures. Voilà, mes amis. Non, vous posez une question. Posez-vous une question. N'importe laquelle. Et l'oracle, un oracle qui est dans ce livre, va vous répondre. Il est déjà tout sale, mon livre. Je ne sais pas pourquoi ni comment ça se fait. Que j'ai quand même les mains propres. Allez, on y va? Vous avez posé une question? On va vous répondre. Et bien, vous avez justement aussi le tarot. Et vous avez la carte du tarot qui est
la carte du fou qui nous dit et qui nous rappelle que tout est possible. Donc voilà, votre question, tout est possible. Donc voilà. Et pour moi, tout est possible, c'est oui. Parce que quand on veut, on peut. Je pense ne rien avoir oublié, mes amis. Non. Et puis, voilà, j'essaie de ne pas être trop longue ni trop courte. Donc, voilà. De toute façon, je ne pourrais pas faire autrement pour faire tout ça. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un magnifique mois de mai 2019. Et puis, je vous dis, n'oubliez pas, soyez positifs. Bisous, bisous.